שבוע טוב בשם השם נעשה ונצליח בעזרת השם. ד'ימא דה מרסה דיסא ד'ימא דה אדר בית לכם טובים ושלום. שבוע טוב. שבוע טוב. שבוע טוב ומזל תרוז זכות. בעזרת השם רבנו הרב הקדוש מרן רבי חיים קניבסקי. זכותו הגן על כל עם ישראל לכם טובים ושלום ובכללם. חוטוסו כי בעזרת השם התחזקו בתרום זאת מעשים טובים Qu'on n'ait plus de souffrance et qu'on ait tous la guéoula très vite. Comme vous le savez, on l'a dit tout à l'heure, celui qui, avec l'aide d'Hachem, fait échouva à la mort d'un gdolador d'un sadique amiti, eh bien, <coughs> il est nettoyé quand même qui pour de toutes ses fautes. Nous allons parler aujourd'hui de la sorcellerie. Bezrat Hachem, nous référait à la dans Maserhet Shabbat, Benafpealef, en bas de la page, pour expliquer un petit peu ce que nous avons à dire mais en même temps faire un récit du Baal Shem Tov, très court mais très significatif, très peu connu d'ailleurs sur les actions de notre maître, rabbi Israël Ben Sarab et Eliezer, al -Vashalom. Et vous savez tous que quand on raconte le début de semaine, de Shabbat, ou début de semaine, une histoire du Baal Shem Tov, le Baal Shem Tov a promis que celui qui parlera de lui, de ses récits, euh, si c'est spirituel, il montrera spirituellement. Si c'est au niveau de la parnassa au niveau de la parnassa Si c'est au niveau des choses, des forces du mal, par exemple, et qui raconte une histoire et qui a des forces du mal contrôlées, ça les annulera. Ça veut dire s'il si raconte sort de la parnassa il aura une meilleure parnassa, ainsi de suite. Et le Baal Shem Tov, avant de partir de ce monde, il a demandé au ciel s'il cautionnait sa demande. Et le ciel a cautionné sa demande. C'est-à-dire tout celui qui racontera un récit du Balshemtov, Tov, tout le monde sait Shabbat ou Début de semaine, donc Yamri Shambhavokar c'est parfait, c'est pour ça que je fais selon mes disponibilités, ou le Moté Shabbat si c'est possible, ou le dimanche matin en général, nous parlons du Baal Shem Tov. Alors, Shiur acheté ce matin, Shem Verichoto Bechol Hacherlo Bezrat Hashem, ainsi que Kolam Israël, par Ari Twitou, pour la réussite de tous ceux qui l'entreprennent Bezrat Hashem, Dov ben Shimon et Yaakov ben Emma, Bracha be ainsi qu'Atun de Tormim, החלמה מהירה, בריאות איתנה, אריכות ימים, כל יראת שמיים, לכל חולי ישראל ובכללם, יצחק בן זוהרה ורבקה בת אסתר, הכי חכים וסווי תוסימא פרומפט רייטה ביסמו, לחיים טובים ושלום, מורת תימי, שרת הלווה, נפחת מרים, יענה בן אסתר, חיל ברכה בת מפני שרון, ינון חי בן רותי, חי רוחמה אסתר, בת רבקה רוב ברוך בן רות סופן מאיר בן רות סופן שמעיה שלמה בן ג'ואנה, יונה, מאיר ברוך בן שרון מזל שלמה ז'וניק ב� Et on commence tout de suite ce shiur. C'est vrai que quand on regarde le Rambam, le Rambam il dit que dans la sorcellerie. Ça veut dire le Rambam, Etohen, lui il dit que on n'a pas à tenir compte de la sorcellerie et qu'elle n'est pas vraiment active. Euh, je suis très étonné du Rambam. J'en ai déjà parlé d'ailleurs avec le Rav Baruch une fois. Pourquoi je suis très étonné du Rambam Est-ce que, est que le Rambam il dit que maintenant qu'on a la Torah, on n'a plus à faire attention au Kishufim Je ne sais pas quelle est la Kamana du Rambam. Je dis franchement, je suis très étonné. Il y a plusieurs Nicodotes comme ça sur lequel le Rambam m'étonne dans sa réaction. Pourquoi Parce qu'il euh, y a marqué pas de forage dans la Torah. Tu ne feras pas de sorcellerie. Comment tu peux dire qu'il n'y a pas de sorcellerie À part cela, nous avons beaucoup de cas, énormément de cas de sorcellerie autour de nous. Mais Azomitamide. Mais azomitamide, la sorcellerie a toujours existé. Euh, Pharaon pratiquait la sorcellerie, c'est marqué dans surf blanc. La femme de Pharaon était une spécialiste de la sorcellerie. Betouel était un spécialiste de la sorcellerie. Lavan était un spécialiste de la sorcellerie. Le plus grand de tous dans la sorcellerie, c'était bilamaracha Qu'est-ce que veut dire le mot sorcellerie alors, si bien entendu on est dans la prestidigitation, dans les abracadabras, c'est pas aval de dire que la sorcellerie n'existe pas, moi j'ai un gros problème avec ça, parce que je peux vous affirmer qu'elle existe et la preuve en est, nous avons. Dans la Gemara forage, j'ai marqué que ça existe la sorcellerie. C'est pour ça que je suis très étonné du Rambam, qui dit qu'il n'y a pas de mazalot, entre autres, dans Israël, et les mazalot c'est les ch'touillotes, comme ça dit le Rambam, c'est le ce sont des déhôtes. Attention, le Rambam, il ne dit pas des bêtises. Mais qu'est-ce qu'il veut dire en disant ça très Souvent, on dit des choses, mais c'est pas ça qu'avana Le Rambam était comme un Rabbeinu. C'est ce qu'il dit. Quand il dit, comme il a écrit par amouré des OK c'est pour pas que les gens ils tombent dans le piège. Par exemple, comment il explique euh, les corbanotes Il dit bon, alors, comme les enfants d'Israël, très cartésiens comme ça, comme les enfants d'Israël, ils voulaient faire absolument des sacrifices d'animaux, alors Dieu l'a dit puisque vous voulez donner ça à des statuts qui ne veulent rien dire, donnez-les chez moi. C'est la date du Rambam. Le Rambam lui rentre dedans tout de suite. Il dit, comment tu peux dire une chose pareille? Adam a réussi en avant la faute des décorbanotes. Attends, mère Il faisait au d'Azara. le Rambam, il a ses déhôtes. Bon, bien entendu, on ne le contredit pas. pas Panim, la Torah. Il y a même des, des, des grands Torahs comme Rabbi Haïgaon qui dit que l'homme ne se réincarne pas dans nos animaux. Le Harizal, il dit que oui. Le Ben Ishraël, il dit que oui. Tous, tous disent que lui, le Ben Shantol, il dit que oui. Il y a plusieurs déhôtes. Ça ne veut pas dire que parce qu'un rabbi dit une chose. Euh, ça veut dire que c'est faux. la Torah. La question, c'est de se demander pourquoi il dit ça, pourquoi il enseigne ça. En tout cas, quand on regarde le Zohar, quand on regarde la Gemara, quand on regarde Bichlal toute la Torah dans son ensemble, Bevadai ou Bevadai que les kshufim, ça existe. Il n'y a aucun doute que la sorcellerie existe. Maintenant, ce que voulait peut-être dire le Rambam, j'ai pas encore lu des commentaires sur, qui, qui pourraient me donner satisfaction sur ce domaine. Mais il voulait peut-être dire que les sorcelleries, depuis son époque à lui, ne sont plus la sorcellerie d'avant. L'avant, c'était une sorcellerie, waouh! Comme à l'époque des Amoraïm. Ah, aujourd'hui qu'aujourd'hui, c'est du Kita Aleph, qu'on voit. Avant, qu on, on voit avec les sorcières d'Ashkelon. Mais elles les sorcières. D'accord? Abishimon ben Chattar, qui a levé les 80 sorcières, tant qu'elles avaient les pieds à même le sol, elles pouvaient transformer un homme en animal. Ben dit pareil. Les Amalécites c'était les plus grands sorciers des peuples les peuples les plus spécialisés en sorcellerie, ils pouvaient transformer eux-mêmes, ils pouvaient se transformer d'hommes en moutons. Comme ça écrit et Nishra, c'est pour ça que le Kohen regardait les yeux de l'animal, parce que c'est les seuls membres qui ne changent pas. Alors est-ce que la sorcellerie existe Oui. Qu'est-ce que la sorcellerie Faire appel aux forces du mal. Par exemple, l'Agmara dans Ma Côte nous apprend que pour être capable de siéger au Sanhedrin, il faut être non seulement expert dans toute la Torah, Surtout Roshan Mishpat, il n'est ma monode, il n'est pas C'est évident. Mais en plus de ça, il doit parler 70 langues. Et pour finir, il doit être spécialiste de la sorcellerie. Il doit connaître tous les secrets de la sorcellerie. Avec Ravi aussi, pareil. Il y a une sorcière qui a dit, si je prends une seule poussière de sa sandale, je peux faire de lui ce que je veux. Ravi aussi il a entendu, c'est la prise sa sandale, il lui a dans la tronche. Il lui, dit, tu veux une...? il lui a dit, tu veux une poussière, prends la sandale. Ma perruche là-bas. celui qui est dans les forces du bien. Au frère de Marcha à Kadosh. À l'époque du marchand, oui. Zacher Tzaddik, Kadosh, et Brachas, Routon, et Kolam, Israël. D'accord, on est vécu en Tchécoslovaquie. À la vache à Combien de tout de kshufim, il a fait Combien Combien Une fois, le Walil, le Khem. Le Walil, le Khem. Il y avait un commère qui a voulu absolument prendre une fille. Il a voulu absolument prendre une fille. Un non-juif. Et qu'est-ce qu'il a fait Non, pardon. C'est ça. C'était un jeune homme en Tchécoslovaquie non juif qui voulait que c'était amouraché d'une fille juive, dans le quartier des juifs. Et il est parti voir le commerce. Et il lui a dit, t'inquiète pas, donne-moi juste un cheveu à elle, donne-moi un bout de tissu à elle, donne-moi quelque chose à elle, et je fais d'elle ce que tu veux. Il a réussi à passer par la fenêtre, il a pris de sa brosse ses cheveux, il les a amenés au commerce. Lui, il a fait ce qu'il fallait faire avec des incantations des forces du mal. Et d'un coup, la fille elle a commencé à changer, changer, changer. Et voilà qu'elle commençait à aller de plus en plus dans le quartier des non-juifs, ce qui à l'époque n'était pas du tout concevable. Ouais. Et les parents ont prévenu le marchand à Kadosh. Qu'est-ce qu'il a fait Il lui a dit très simple, on va faire disparaître la sorcellerie. Il a pris un tonneau, il l'a fait rentrer dedans. Quand ils ont vu qu'ils n'arrivaient pas à la voir, alors il a demandé de la mettre à mort. C'était bien l'histoire. Le marchand, il a pris un tonneau, il lui a dit regarde, maintenant tu rentres dans l'eau. Et tu laisses juste ton doigt à l'extérieur. Il a tiré avec les, les revolvers d'époque, les trucs qui avaient qu'une seule balle dedans, pour tuer la fille parce que le marché il a arrêté la sorcellerie. Ouais. Et il a dit, puisque je ne peux pas l'avoir, mets-la à mort. Qu'est-ce qu'elle fait le marché Il lui a dit, rentre dans le tonneau, dans l'eau. Il a juste ton doigt à l'extérieur. Et d'un coup, son doigt, il se coupe en deux. Psst. Pourquoi la balle La balle. Elle a touché le doigt. Kahayamase. Il lui dit maintenant tu peux sortir tu es hors de danger elle est très très mal il t'inquiète pas tu vas guérir carayam médecin le d'avoir que plein d'histoires nous racontent les kishufim des nations du monde les kishufim qui se mettent en pratique chez mon le vaudou va que c'est vrai, vrai le vaudou va que c'est vrai bon je ne parle pas de certaines vidéos où il y a des trucages ah le vaudou dans le va vadai que c'est vrai le vaudou c'est tout simplement incantation des des c'est quoi les esprits sont fâchés C'est quoi tout ça C'est des chindalettes. Quand vous voyez tombe Shaolin et toutes ces choses-là, ils font les beaux dans la forêt. Vous avez remarqué c'est quoi leur représentation Ce sont des, des monstres. D'où est-ce qu'ils ont sorti ça Kibemet, Ruimshedim. Avec leur, le, les japonais, là, quand ils mettaient euh, les samouraïs des, des, des trucs, ils, ils disaient les esprits sont. Mais de quel esprit ils parlent Ils parlent des chindalettes. Les chindalettes, ça existe. Vous savez que ça existe. pas assez. on finira avec le Balshemto. On est dans la Gemara. De Shabbat, P. Et on commence tout de suite. Abiur Nachon ou Zechel Rabbi Nathan Baroshai, Ishoum Sakana Mishoum Hashash Kshafim. La Gemara nous dit ici que combien de nos Talmidech Achamim, on sait que la Inara ça existe, on le demande dans nos prières que Dieu, tous les matins dans Birkat Hashachar, euh, nous éloigne de l'Ainara. Ben Poratu Sev, Ben Porat al'Ain, Benot Sad alishor. Vraiment, chacun. aval mischum, misakanam, mischum, hashash kshafim. La voilà, nous dit, nous chachamim, ils faisait très attention de ne pas marcher par exemple sur des flaques d'eau, de certaines de, de, règles, de, de, de peur qu'il y ait eu des kishufim dedans. Ma c'est pour ça qu'il faut faire très attention pour annuler un kishouf, par exemple, de ne jamais prendre de main à main de quelqu'un. Sorcellerie. Kishoufim, sorcellerie. Jamais prendre de main à main quelque chose. Razal, ils disent, en quoi Aaron était-il responsable de la faute du d'or pour qu'il ait perdu deux fils Parce qu'il a pris de main à main l'or pour faire le d'or. S'il n'avait pas pris de, pain à main, de main à main et qu'il l'aurait posé, le kishouf s'annule. C'est s'il ce te donne de main à main, fais très attention à ça. Fais très attention où tu manges chez qui tu vas. Lohalin velo alechem. Comme ça s'est passé une fois. Une fois, lohalin velo alechem. Une personne, elle a changé du jour au lendemain, c'était plus la même. Il était bien, il était sympathique, il était chnine. Il était très proche de sa famille. Du jour au lendemain, pas qu'il a changé, mais changé, pire qu'un ennemi pour sa propre famille. Il ne jurait qu'avec la fille avec qui il s'était mis, bizarrement. En l'espace d'une semaine, deux semaines, elle lui a déjà vidé son compte. Il était au doigt et à l'œil, au doigt et à l'œil. Couché, c'est couché, la papate, c'est la papate. Tu tu craches sur ta mère, il va cracher. Makara, il l'emmenait chez un mecoubal à l'époque, il y avait des vrais Mekoubalim. Des vrais Mekoubalim. Et il lui a dit, ton fils, il a été ensorcelé. Maintenant, encore une fois, qu'on ne se trompe pas, la Gmara dans saint elle dit, un juif qui couche avec une Goya, il est Mekouchaf. Il n'y a pas besoin de sorcellerie. Ton fils, il va avec une non-juive, la Gemara le dit sur place dans sanhedrin nédrine. Oumekhouchaf, il est ensorcelé. Tizaru me'od od me akdouchach al-Israël. Am Israël, on n'a pas à se mélanger. On peut aimer tout le monde. On n'a rien contre les non-juifs. Ils ont leur rôle, on a le nôtre. Aval am levadad ishkon bagouim loutrachav. Tizah me od. L'assimilation, elle n'a pas besoin de Abraha pour te prendre. Tizaru me'od, od. Et c'est pire si c'est une bâtisse avec un non-juif. Mais ta ma et bamakom. Aval, dans le cas explicite, le rab, il a fait un compte. Et il lui dit comme ça Est-ce que tu serais capable de me dire depuis deux semaines si tu as mangé des pâtes à la sauce tomate chez elle Et là, regarde comme ça, il dit Ben oui, c'est le premier jour où je suis monté chez eux. C'est la première fois que je suis monté chez eux. Et ils nous ont donné des pâtes à la bolognaise. Et il lui a dit Sache qu'elle t'a mis du sang de Sanida à l'intérieur. Et c'est pour ça que maintenant tu es Mekouchaf. A ta mé, tout mé. Regardez. bien faire attention. Il lui a fait, bon, c'était un grand mékoubal. Il a fait quelque chose. Le pire, c'est pas ça. Hein. C'est qu'il a fait quelque chose. Le lendemain, le lendemain, il l'a jeté. Le lendemain, il s'est réveillé, il l'a jeté. Baou HaShem. Les parents, ont vite fait un shidouch après, avec une jupe. Il ne faut plus manger de pâte à la sauce. Il ne faut plus manger de pâte à la sauce. Là, on rigole. Mais regardez maintenant, on est dans la Gemara. Shabbat, P. Aleph, Hamoud, Bet, en bas de la page. On va voir ensemble un petit peu comment nos il réagissaient avec ça. Et après, je finirai avec une histoire très courte du Baal Shem Tov, mais qui veut dire beaucoup. Un très beau khidouche à retenir que son mérite nous protège. Rabbi Nathan Barosha, il y Mishum Sakana ou Mishum Hachas Kshafim. De quoi il avait peur Il avait peur, on ne sait jamais. Peut-être qu'il y a des Kshafim sur place, des sorcelleries sur place. Je dis, jamais le quinoa. C'est ça, d'ailleurs, que la l'Akhan nikba et quelqu'un, la nous dit, bon, à l'époque, il n'y avait pas de papier toilette, comment les, les, les gens, euh, ils se rendaient propres quand Allô. ils allaient, hein. Allô. Ça, c'était quand l'eau y avait, mais dans les champs, ils prenaient toutes sortes de, de et tout ça, mais surtout pas, surtout pas du kheres. Surtout pas. C'est quoi le kheres C'est l'argile. Surtout ne pas utiliser l'argile. Qui est conducteur de sorcellerie. Maman, c'est pour ça d'ailleurs que. Hein? hein Non, je parle pas pour manger dedans, je te parle pour. Euh, vous avez compris, ceux qui vont aux toilettes, quoi. Par exemple, les sorciers, les, les qu'est-ce qu'ils utilisaient beaucoup, beaucoup pour faire la sorcellerie Dafka, l'argile, énormément. Le golem. Non, alors le Golem, la différence qu'il y a, c'est qu'il vient du sévère et d'Abraham Avinu, le Golem, et c'est vrai qu'il en chérissent, mais il est fait avec les Shemot Kedoshim. c'est pas de la sorcellerie. Le Golem, c'est l'opposé extrême. Écoutez cette histoire, j'ai pas commencé, vous allez kiffer. mais maîtres, c'est sympathique. La Gemara, est... il y a des moments qui sont des trucs qu'on peut pas. Il y a des moments. En tout cas, la nous dit ouvertement de quoi avait peur les Amoraïm, les Tanaïm. Faites attention où il y a de la sorcellerie. Donc mais faudra, la Gemara forage. elle dit qu'elle a sorcellerie. chez Maar mais Hachefa, Écoutez cette histoire jusqu'au bout. Bémet, c'est un enseignement très important, même pour nous aujourd'hui. Qui a donc, comme cette action qui s'est passée, des frida et Une fois, et Bar Avuka, Azle Arba. Donc, ils ont voulu prendre le bateau et ils ont voulu la fligue. Euh, comment on dit la fligue oui, a... naviguer. naviguer. Oui, ils ont voulu euh, pr prendre un bateau et partir sur l'océan. Oui. Amra où matronita est arrivée une femme non juive d'apparence assez euh, noble. Matronita c'est en général une princesse et elle leur a dit la chose suivante est, odvan est-ce que je peux me joindre à vous Allez là-bas. Donc ici il traduit dans le Schuttenstein, et shivni makem besfina ce que je peux voilà la avec vous vélo oudoua et ils ont pas ils ont dit là. non tu peux pas venir elou lo oshivoua imem ils n'ont pas ils ont pas pris alors il dit ici mishum shabrou ke da'at rav shamar le maala chelo la avour bi gashar im parce que rav il dit là-bas qu'il n'est pas bon de passer avec un nochri un non-juif, sur le même pont. Lama, de peur qu'il se retrouverait avec elle. C'est pour ça que, d'ailleurs, très souvent, à l'époque, les chidoukhim se faisaient sur les ponts, se donnaient rendez-vous sur les ponts. Et de peur que l'assimilation, regardez jusqu'où, à l'époque de l'agmaré, faisait attention de ne pas s'assimiler. Pour ne pas qu'un homme et une femme sur le pont, tu laisses passer la femme d'abord, après toi, tu passes. Ou tu passes avant. Pas ensemble. De peur que, comme le pont, il a toujours un côté plus ou moins romantique, ouais, alors, bon, pas, tout, pas tous les ponts. Hein. On raconte qu'une fois, il y avait un pont, qui surplombait un cimetière. Le mec qui rentre chez lui, il arrivait un peu en retard. La nuit était bien tombée, était minuit minuit dix, une heure du matin. Il arrive et maintenant il est obligé de sur, passer sur le pont qui menait à sa ville. Mais il est tranquille parce qu'il voit un homme qui regarde comme ça, accoudé sur, euh, sur le pont, il fume une cigarette, il regarde au loin, tranquille. Alors lui il passe comme ça, il n'est pas très serein, tu vois. Mais puis il le regarde. Excuse-moi mais il est 1h du matin, tu es au-dessus d'un cimetière, tu fumes une cigarette cool, t'as pas peur. Il regarde comme ça, il dit quand j'étais vivant, oui. Top. <laughs> Amarlot. Et donc le deuxième cas, il dit, michoum Kishoufi. Kishoufi. De peur qu'elle te fasse un Kishouf. De peur donc qu'elle te fasse une sorcellerie. Écoutez bien la suite. Amra et Imilta. Qu'est-ce qu'elle a fait elle? Amra ota gevira le hach kshafim. Elle ne voulait pas me prendre avec moi Elle a prononcé une petite phrase. En réalité, elle a prononcé un mot, si vous savoir, on peut pas faire du dion de le... aval. Et. Takshibutob. Asarta al-arba. Kashra et Asfina, shelo yakla Asfina, la zuzmkona. Le bateau, au lieu de partir, par qui s'arrêtait Comme si que la corde, elle, elle le tenait encore. Amrou et ne alors, Elle veut jouer avec nous, celle-là. Qu'est-ce qu'ils ont fait Rabbi qu'est-ce qu'ils ont fait Eux aussi, ils ont dit un mot. Milta. Eux aussi, ils ont dit un mot. Alide Shem Kodesh. La sorcellerie, c'est faire appel. Vous savez que tout celui qui pratique la sorcellerie dans ce monde. L'orak Shenokhelek Dès qu'il meurt, les démons ont le droit de le. Pas ils ont le droit, ils viennent le prendre, ils le rendent démon, ils l'emmènent avec eux. Puisque tu nous as fréquentés, c'est comme la mafia. La mafia, qu'est-ce que tu fais Tu les appelles, soi-disant, pour régler un problème. Une fois qu'ils t'ont repéré, ils te taxent sa vie. Celui qui fait la sorcellerie, <t 'en> à tel point que la Torah nous dit Il y a une mise-va de tuer les sorcières dans la Torah. Les vraies sorcières, hein. pas tu dis ta belle-mère, es une sorcière, mais. <t 'en> <l 'hashem. t 'en> Et pour contrecarrer le fait qu'elle ait dit quelque chose, eux aussi ont dit un mot. Ils ont libéré Ils ont libéré immédiatement le bateau qui a commencé à la flig. fligue à... Il y a un mot pour ça, la fligue Naviguer, Taïch. Et là, matronita elle a eu les boules. Elle a dit, mince, je suis tombé sur des grands torah Avec eux, la sorcellerie, ça ne marche pas. Je a dit, donc, elle a posé la question. Donc, il a dit ici, toutes sortes de choses qu'on a vues ensemble. Euh, vous, vous ne tuez pas les poux sur vous. Vous n'utilisez pas le, le, la glaise euh, pour vous essuyer. Euh, vous faites très attention. Vous êtes remplis de Torah. Les mitzvot vous protègent. Et la sorcière, elle a dit, cette femme qui était en réalité une femme qui pratiquait la sorcellerie, elle a dit, qu'est-ce que je peux faire avec des, des grands Torah Ça veut dire que face à la Torah... La sorcellerie ne marche pas. De là, on peut comprendre pourquoi le Rambam, qui connaissait par cœur la Gemara, il peut dire que la sorcellerie, c'est des Shtuyot. Parce que peut-être que le Rambam, il, il pensait qu'on était tous Chachamim euh, dans la Torah Mzot Masim Tovim. Aval, en tout cas, on voit ici Chacheshu. Nos Chachamim avaient peur qu'il y ait de la sorcellerie sur leur chemin. Faire très, très attention à cela. De l'autre côté, tu ne dois pas vivre euh, Rasra, tu vois. De qui a parlé tu fais, Non, pas de Rasra. Aval, est-ce que la sorcellerie existe Chouvaï, Bevaddaï Sheken. Il y a beaucoup de Mekorot dans ce domaine. La Torah en parle elle-même, ici on en parle, même si de l'autre côté, la parashat Beau en parle. Vas-y, Beau, Beau el paro. Oshé l'a dit à Kadush Baruchou Tu veux que j'aille voir Pharaon, mais je ne sais même pas où il est. Il est caché dans des mondes. Il utilise des kishufim, Il utilise des sorcelleries. Il dit Beau, viens avec moi, je vais vous montrer où il est. Où est-ce qu'il est parti, Pharaon Il est parti dans le septième élément où se trouvent les pires démons de la création du monde. pas, mais chéken, ça existe. Avec une sorcellerie. Tu peux rendre fou une personne, tu peux le ruiner, tu peux le posséder, tu peux rendre comme un, un robot. Tu peux tout faire avec lui. Elle en rien de faire très, très attention. Il y a même une époque ici, en Israël, des mekoubalim qui disaient que, à Gaza, pour attirer les jeunes filles juives à rentrer là-bas, ils les ensorcelaient, en leur faisant manger carrément. Et ce que je vous dis, le pire de l'histoire, c'est que c'est une arabe qui me l'a dit. C'est une arabe de Jérusalem qui m'a dit que ça fait je ne vais pas donner son nom, la pauvre elle. Elle m'a dit un truc, je parle avant. <laughs> C'était à Harmon native, Et elle m'a dit, on, on donne de la queue, comme ça elle m'a dit. On pile de la queue de scorpion. Et on lui donne à manger avec toutes sortes d'incantations. Et après, ben, elle reste chez nous dans le village, elle nous fait des gosses. Et les enfants, on les utilise pour vous lancer des pierres. Et plus. Et plus. C'est-à-dire maman, je laisse une lève les deux. C'est-à-dire. Les éperouchats d'avoir. Maintenant, on vient dans la Gemara. Qu'est-ce qu'ils ont dit, eux, comme mot Ils ont dit milta. Mazé milta. Comme on peut le constater aussi dans Masrech Shabbat, et des fois on utilise des initiales. Comme par exemple, qu'est-ce qu'il a fait Bilam Il a voulu me dire le peuple d'Israël. Il a dit kalam, parce que le temps d'une fraction de seconde, c'est juste le temps de dire des initiales. Alors, eux, qu'est-ce qu'ils ont fait Malat. D'accord Mazé malat. Même lame taf. D'accord Milta. Ils ont dit ah en réalité c'est les initiales. hachefa lo Tehaye. les initiales c'est mem lamad hachefa, mem lo lamed, lamed tehayet Taf. c'est Amrou milta ils ont dit un mot non c'est pas un mot qu'ils ont dit ils ont simplement prononcé les initiales du mot tu ne seras pas vu la sorcière de là vous apprendrez quelque chose une des plus grandes forces pour annuler la sorcellerie c'est de prononcer ce mot là quelqu'un il a on lui a fait quelque chose qu'ils disent comme ça où il va dans un endroit il ne sait pas ce qui il, il dit la chose suivante mer hashefa je vous dis franchement c'est pas suffisant en réalité il faut avoir des cavanoths avec les initiales les sofitivotes, les mcity c'est à dire il faut avoir les cavanoths des comme c'est marqué ici je reviens en arrière euh, tâta, 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 hein, euh, voilà même la meta mer hashefa lotehayi et aussi les Soufitibot, il faut voir les kavanot et demander à Kadush Baloukhou d'annuler la sorcellerie. Mais il y a aussi autre chose à faire. L'âme Bemed je voudrais vous donner un exemple très important. Pourquoi la première plaie, c'est la plaie du sang Vous savez pourquoi Parce que les Mechashim, comme c'est marqué Khartoumim, les en Égypte, les dix plaies d'Égypte, face aux sorciers d'Égypte, c'est marqué noir sur blanc. C'est ça que vous savez faire, nous aussi on sait le faire. Ils appelaient les forces du mal. Pourquoi est-ce que la première plaie du sang, c'est la plaie du sang Parce qu'il a mis le bâton dans l'eau. Et le problème, c'est que l'eau annule la sorcellerie. Et quand ils ont vu ça, ils ont dit Waouh, c'est le plus grand des sorciers, celui-là. Regarde ce qu'il est capable de faire. Nous aussi, on peut rendre le Nil du sang. On peut le rendre, mais on ne peut pas mettre dedans nos artifices. Qu'est-ce qu'il fait, Aaron Comme Moshe a été sauvé du Nil, il ne peut pas être ingrat, d'où l'importance de l'ingratitude ne jette jamais une pierre dans un puits qui t'a donné de l'eau. Mao sait, Aaron il met son bâton dans le Nil. Et d'un coup, le Nil devient du sang. Aaron il a dit, oh, c'est pas pour moi, il faut appeler les spécialistes, là, il y a un problème. Aaron, la reine, quand on fait des kishoufim, dès que tu rentres dans l'eau, ça s'annule. Mais la reine, il fligue vas-y où... Il n'y a pas de problème, de toute façon, on est dans l'eau. Par exemple, si on t'a fait de la sorcellerie ici, passe le continent, passe au-dessus de l'eau, bénigma Ça a un rapport avec le Balchemtov. Des fois, les élèves, ils ont posé la question au Bal Shem Tov. Rabbi Israël Ben Sara, le Eliezer. Israël. Ils ont posé la question il dit Pourquoi tu as tellement voyagé en Europe Il n'y a pas un pays que tu n'as pas fait, il n'y a pas un endroit que tu n'as pas fait. Partout où tu vas, les communautés, tu vas, tu vas, tu vas. Il avait un cocher qui s'appelle Alexander, un goy. Et il l'emmenait avec une Ferrari, vous savez, il avait deux chevaux, euh, quatre chevaux, ouais. Et il faisait 1000 kilomètres en même pas une heure. Même pas 20 minutes. C'était un, mais à la TVA. Et le Baal Shem Tov, avant de partir de ce monde, il a dit à ses élèves, si vous voulez savoir pourquoi j'ai parcouru autant de villages, de villes, de contrées, là où il y avait des juifs, c'était uniquement pour me tremper essentiellement dans leur migvée. Il dit, alors, quel rapport? Il dit, parce que je suis venu annuler le kishouf en Europe. Non, vous confondez tous avec les démons. Ce serait... un D'abord, c'est pas en Europe. C'est pas en Europe, c'est en France. Selon... Pas en Europe, mais en France. En Israël, ce serait Rabba idée. Ce qui est sûr et certain, c'est qu'ils ont enlevé les démons qui il avaient. Ils n'ont pas enlevé ceux qu'on va créer. Quand un juif fait Zerah Lev qui sort un milliard de Zerah Lev il a créé un milliard de démons dans l'endroit où il est. Il faut savoir que toute la du la qu'est-ce que tu crois qu'on crée Des démons c'est marqué dans la, dans la, dans la halakha pourquoi pourquoi on fait maïn sheva le shabbat pourquoi on fait maïn sheva le shabbat de peur qu'une personne vienne ouais en retard et pour pas qu'elle retourne seule un homme ne marchera jamais seul la nuit pourquoi parce que les démons ont le droit de l'attaquer s'il est seul il doit être minimum deux donc on va retarder le tibour, le tibour on ferme maïn sheva on va reprendre shamaïm. Si c'est en dehors de la synagogue, on ne fait pas Maïn Sheba, on ne revient pas, on fait juste Vahulu et on ne fait pas Baruchata Hashem. Pourquoi Parce que le Khoshishim, puisqu'il est... on n'est pas à la synagogue. Mais si à la synagogue, oui. Le problème c'est que le Zorakadosh, il nous dit que juste avant l'entrée de Shabbat, ouais, l'ange Michael ordonne à tous les démons de rentrer dans le Théom Rabba. Il y a un mot d'ordre qui est donné, pardon, par Dieu lui-même, où tous les démons de la terre sont obligés de descendre dans un endroit qu'on appelle le Théom Rabba. au fond de l'océan. Ouais. Juste avant Shabbat. Donc s'il n'y a plus de démons, pourquoi tu as peur que quelqu'un vienne et qu'il se fasse attaquer par un démon Tu vas entendre la réponse, elle est terrible. Parce qu'il y en a qui parlent dans la synagogue, ils créent des démons. Alors de peur que les démons qui ont été créés dans la synagogue avec le mot la Shonara, une fille qui vient pas de Sniout, qu'est-ce que tu crois qu'elle fait Elle vient comme ça, elle est gentille, elle a une jupe courte. D'accord Ce que tu es en train de faire, c'est une avéradoraita. C'est bien d'un côté, c'est si était tu dis, ouais, bon, regarde le côté qu'elle est venue dans la synagogue. De l'autre côté, la prière, elle ne monte pas à cause de ça. Ou les gens qui parlent à la synagogue, la prière, elle ne monte pas à cause de ça. Comme on l'avait étudié dans le l'ange des prières qui se tient à la gauche du de, du, du... Echal, dès qu'on parle à la synagogue, qu'est-ce qu'il fait Il se barre. La prière, elle ne monte plus. Assure ah, de parler dans une synagogue. Et qu'est-ce que tu fais Tu crées des démons. Ah, ceux qui ont été créés ont été mis dehors, mais ceux que tu crées, ils n'étaient pas encore là quand ils ont été mis dehors. La reine, oui, on peut trouver des démons en Israël. C'est ce que m'a expliqué mon Rav de Rechagab, rav Rav-Er-Gabriel. à le Tov il explique, il dit, l'un des processus les plus efficaces pour annuler la sorcellerie, c'est le Migve. C'est pour ça qu'une personne qui va au Migve tous les jours, la les sont tellement, tellement, tellement minutieux, ils ne prient pas une prière le matin s'ils n'ont pas été au Migve. Pourquoi on nous baisera ta chambre de dans le Binan, on voyons absolument aussi qu'un y a un pour que chaque personne qui vienne prier, il ait l'opportunité d'aller au Tachem. Parce que dès que tu vas au mikvé, tu annules le kishouf. Dès que tu vas au mikvé, tu annules le kishouf. Mais il y a des, des sorcelleries qui sont très graves. Comme par exemple, prendre le vêtement d'une personne, tu l'enterres dans le cimetière. Tu prends un cadenas, tu le fermes, et tu bloques son mazal avec. Les choses qui sont terribles. Aval, si tu étudies vraiment la Torah, comme il le dit ici, tu dis comme ça, c'est un de, de, de la Torah, et, et tu penses Milat, même la métaph bon, ça va beaucoup plus loin que ça en réalité, et moi, il faudra des interventions avec un shemot, des fois il faut créer un shemot pour annuler les choses Aval, Rabbi Nachman de Breslev il dit, t'as besoin de rien du tout tu parles avec papa, t'as des doutes il envoie tout ça mais qu'est-ce qu'il disait aussi il dit, mais il faut aller aussi migrer Dès que tu veux annuler quelque chose qui va pas, des fois ton Mazali bloque, va au Migve. Peut-être qu'on t'a mis la Inara, peut-être quelque chose, va au Migve. Bien entendu, le mec il regarde des choses interdites, il dit des choses interdites, il, il est tout le temps nerveux, il est tout le temps pathétique, et il dit on m'a mis l'œil. Non, tu es toi-même le démon. <laughs> pas besoin de chercher ailleurs, c'est toujours l'autre responsable. Peut-être tu te remets en question. faut arrêter aussi avec ça. C'est très facile de toujours mettre la faute sur la mesouza, sur les filines, sur l'œil. Sur... Fais attention à ça. Alors, bah, de l'autre côté, tu rien à perdre de le faire. Et la chème, le Balshem Tov a expliqué que l'une des raisons, hormis le fait d'avoir enseigné sa Torah, l'une des raisons pour avoir sauvé des Juifs, d'avoir de reçu autant de Juifs, la raison pour laquelle le repart, c'était pour annuler les Kishufim, et que pour Bezrat Hashem, que par la force de Mikveh, lui qui connaissait toutes les Kavanot et toutes les choses, chaque fois qu'il rentrait au Mikveh, il avait la Kavana de même la metav. que dans cet endroit-là, la sorcellerie ne pénètre pas. Et c'est ce qu'il a fait, il a protégé comme un dôme spirituel les Juifs. De la sorcellerie parce qu'avec cela, il pouvait faire énormément de dégâts. Ken, pas, la sorcellerie n'amène le... que vers le négatif. Le problème qu'il y a, c'est que un, un vrai sorcier d'époque aurait pu te donner tout à fait les numéros du loto. Il aurait pu te le donner. C'est marqué aussi dans Maschet Shabbat Dafkouf kuf nun en haut de la page avec Rav Shmuel, il y a marqué là-bas un sorcier qui a vu deux pêcheurs qui allaient pêcher et leur a dit ce soir ils ne reviendront pas et le soir ils sont revenus et c'est pas possible parti les voir il dit comment c'est que vous deviez mourir aujourd'hui vous êtes encore vivante. racontez-moi ce que vous avez fait Il dit ben on est parti pêcher avec du pain on a vu un pauvre on lui a donné un morceau de pain il a dit qu'est-ce que je peux faire le dieu d'Israël il annule le mazal il annule la sorcellerie parce que les juifs viennent faire une sédaka. Il est parti se pendre, comme ça finit ça existe. Hein Le problème qu'il y a, je vais te dire, c'est que tu peux, avec les forces du mal, savoir beaucoup de choses. Beaucoup de choses. Qu'est-ce que tu crois, les marabouts, les machins, tous ces clowns à deux balles Qu'est-ce qu qu que tu crois, qu'est-ce qu'ils font, eux ils se baladent, Tu ouais. crois qu'ils sont avec Akadosh Baruch Hu, qu'ils sont avec Dieu C'est que de la citra hara, mm. comme leur tronche à eux. C'est que de la citra hara. hara. C'est vraiment la différence qu'il y a. C'est que quand tu fais appel à eux, tu fais partie d'eux. Ce qui fait que amassé ça s'appelle l'Achem pour que le livre Avathaim il rapporte. Vous êtes le parce que je vois l'abri ils arrivent. Très belle histoire. Il un jour un homme qui n'avait pas de mazal, chez le pauvre. Tout ce qu'il fait, ça marche pas. Il ouvre une affaire, ça tombe, il fait ça. pas de mazal. Alors, il part, tu vois, son rave, et son rave, il lui a dit... Celui qui possède les clés de tous nos problèmes, c'est Dieu. Parle avec Dieu. Il J'arrête pas de parler avec Dieu, je suis fatigué, j'ai plus de force. Il lui a dit Alors maintenant que tu n'as plus de force, parle avec Dieu dans la maison de route c'est l'occasion. Maintenant que tu es, es par terre, tu ne peux pas tomber plus bas. Azaber et Machem Mais attention, fais va Et, top. Un peu découragé, il est parti voir un sorcier. Et le sorcier lui dit Je vais te donner une pièce, et avec ça tu vas avoir beaucoup de mazal. Et qu'est-ce qu'il a fait ah, sur ces pièces, azale. il prend une pièce, mais il lui dit, mais c'est une pièce spéciale. Et effectivement, quand il a mis cette pièce à la maison, la pièce, elle s'est mise à parler. Et qu'est-ce qu'elle lui disait Allume-moi une bougie et allume-moi des encens. Alors, je ne sais pas si c'était marqué sur la pièce, mais pour qu'il devienne riche, il fallait faire ça. Et qu'est-ce qu'il a fait, lui Il allume une bougie et il lui allume des encens devant. Loa aller alekhem. En un jour il est devenu millionnaire, en deux jours milliardaire. Le truc, c'est que comme c'était un bon juif, il était un peu tam. Il a dit, ah Baruch Hashem, la chance me sourit. Il a commencé à aller voir son rave. Rave, vous avez besoin de construire une Shiva, vous avez besoin... De... Trac, je suis là. Rav dit non, Baruch HaShem, tout va bien. Par contre, c'est vrai, si tu peux acheter à manger, si tu peux acheter des choses, maman. Il lui a dit, alay, Israëlien, à l'oignon et à Alay Rab, vous avez besoin de quoi que ce soit. Vous avez un pour Pessard, je suis là. Je suis là. Le rabe lui a dit, il y a un problème. Il l'a convoqué, il lui a dit, écoute, on a pris une somme d'argent, tu m'as apporté des pièces d'or. Il lui a dit, je ne sais pas, tout ce que je touche, ça devient de l'or. Il lui a dit, tu as pris de beau des doutes avec des larmes de sang ou quoi <laughs> Ça marche. Comment Comment tu as fait Il lui a dit, hey, mec, j'ai un truc à la maison. Il lui a dit, qu'est-ce que tu as à la maison j'ai une pièce qui parle. Une pièce qui parle Il dit oui. Bon, je vous avoue franchement, voilà. Il y a un mois de ça, je suis parti voir un. Comme je vois que je prie, je prie, je prie, je suis parti voir un, un sorcier. Il m'a donné une pièce. Il dit alors, il dit ben, la pièce, elle est magique, elle parle. Je dis elle parle. Il dit alors Il dit elle ben, me demande de lui allumer une bougie et de lui mettre des encens. Et contre ça, il me dit exactement où trouver de l'or, où trouver des diamants, comment gagner, traite avec telle personne et pas telle personne. Depuis, je suis blindé. Le rave lui a dit Tu sais quel malheur tu viens de me créer Tout l'argent que tu m'as donné de la sorcellerie, il faut que je te le rende parce qu'elle a servi à la gdoucha. Tu as renforcé ta pièce. Donc le rave lui a remboursé tout l'argent de la citrahara, de la sorcellerie, et il est parti avec lui à la maison. Il lui a dit Tant que tu as cette pièce, tu n'as pas de monde futur. Sache que cette pièce est possédée par un démon qui s'appelle un tel, je ne vais pas donner son nom, ça, un sour, un et il lui a dit, pour faire, tu vas maintenant, tu vas la casser, tu vas la briser, tu vas la brûler, mais sache tu vas retourner dans la pauvreté. Il lui a dit, mieux vaut être un juif pauvre qu'un rachat riche. Il a cassé cette pièce, et l'arabe, il a pris Tachatresuto, il a pris dans la Yeshiva, et il avait jusqu'à la fin de sa vie, de lui donner toujours tout ce dont il avait besoin pour ne pas qu'il tombe dans le parce que sur Mazal, c'était par rapport à son incarnation de vivre pauvrement. Alors pour vous dire à quel point les Kishoufim, des fois tu rentres des pièces, tu rentres des choses chez toi, tu rentres des éléments chez toi, tu la dame Karev, la il est interdit d'aller voir des marabouts, il est interdit d'aller voir des sorciers. Eux-mêmes, ils ont besoin d'argent, ils veulent toi sortir des prendre d'argent. Eux-mêmes, ils ont des problèmes de chlambaït, tu vas traiter ton chlambaït. Ça me rappelle Coluche. Si il a dit Coluche, un jour il est parti voir Madame Soleil. Tape à la porte, et dit qui c'est. Il dit attends, si tu ne sais pas qui c'est derrière la porte, tu vas savoir qu'est-ce qui m'arrivera demain. Fais très très attention à ça. Tous ces bureaux de, je te dis la vérité, je vais te dire l'avenir. et Ça bien dire. Tout le temps il Les gens ils savent, ils sont pas. Est-ce qu'on a besoin de ça? Moi je sais une chose, chers amis, pour monter quelqu'un du trou, il faut qu'il soit au-dessus du trou. Les marabouts eux-mêmes ils sont dans le trou avec vous. Comment il va vous monter? Et qui c'est qui touche Uniquement les gens qui sont faibles. les gens sont... C'est quoi Même chez nous, les taréno les juifs, il des personnes qui sont très malhonnêtes. Ils se mettent euh, à étudier quelques phrases, quelques trucs. Ils viennent voir les gens, ils font soi-disant des miracles. Ils utilisent la émouna des gens qui sont simples d'esprit. Ils disent aux gens, ils font des trucs, des trafics, « Dis le miracle que j'ai fait, dis ce que j'ai fait, fais-moi de la pub. » Une fois, quelqu'un m'a dit, « Vous voulez inviter mon C'est un très, très grand mécoubal. Je dis, s'il veut venir, qu'il vienne, j'avais fait une soirée. Il me dit, ah non, faut mettre une grande photo de lui, et il faut marquer dessus, Aïcha Tsadik, Amekoubal, Aïlo je dis, je ne veux pas ma soirée. Un vrai dit qui se cache, un vrai Tsadik qui ne veut pas qu'on l'appelle Tsadik, un vrai dit qui n'a pas besoin qu'on mette une photo de lui en long et en large. Et même des photos des fois, tu vois des gens on dirait la Joconde, ils pose comme ça. Je pense donc, je suis. Vas-y, je Vas-y, machem Soit normal, on dirait qu'ils ne vont jamais aux toilettes. ceux-là. Mazé. Et ils utilisent. Et ils utilisent des choses. Le mec, il, La femme, elle est venue me raconter. J'étais voir, il, mais il, comment il a été fort Qu'est-ce qu'il y a Il me dit, vous avez mal à l'épaule. Je dis madame, à votre âge, on a tous mal à l'épaule. Elle me dit oui, c'est vrai. Je dis madame, à votre âge, on a tous mal au ventre. Depuis il dit comme ça, vous avez changé depuis votre ménopause. Oui, c'est vrai, mon mari me le dit, oui, toutes les femmes changent, c'est un changement hormonal. Ils utilisent des choses pas shoutes. Des fois, ils demandent les trucs où ils se renseignent. Et ils te disent. Euh, les meilleurs, c'est quand tu dis. Vous connaissez un Patrick Bien sûr, c'est mon beau-frère. Mmh. Et te Et j'ai. Qui n'a pas un Patrick, mon savant ami Il te sort des trucs. Mon père, mon père, Qui était Yaakov, mon grand-père Oui, je sais, il vient de me parler, il m'a dit de vous dire vous devez me faire un chèque. <laughs> ben, d'ailleurs, d'aimer. Sans ordre. Les gens croient. Les gens. Tamim les gens le Celui ouais. qui est un vrai Ben Torah, c'est qu'un juif qui veut vivre heureux. Vous attachez un Talmid Racham, un homme qui a des un homme qui est là pour vous, qui n'en veut pas votre porte-monnaie, une personne qui est là pour vous donner, pas pour vous prendre, une personne chez Besarim qui faut partager le mérite de la Torah des Mitzvot, une personne qui vous apprend les Ratschamaim. Ça c'est, ça c'est les personnes qu'il faut fréquenter. Tout le reste, pour vous éloigner de ça. Aujourd'hui. Dans le Tarkles des choses, il n'y a plus vraiment des babas salés, il n'y a plus de Rabbi Lubavitch aujourd'hui. Dans le Tarklès, la dernière lumière vient de s'éteindre, elle va être enterrée à l'instant à Brak. Aujourd'hui, il n'y a plus tout ça. Aujourd'hui, il y a toi et ta Emouna, et comme dit Rabbi Nachman de brest un homme avec la prière, il peut ouvrir plus de portes que ce que peuvent faire les parchemins et tout Regarde ce qui y a marqué dans la, dans la Akdama du Esraim. Il dit toutes les rabanimes qui écrivent des schémotes, de alechem, ils partiront pas de ce monde avant d'être ruinés, et leurs enfants quitteront le chemin de la Torah, et dans le kévert, on les poursuivra. Oh! On n'a pas besoin de tout ça. Dès qu'il nous arrive un problème, ça y est, on m'a mis l'œil, ça y est, on m'a fait la sorcellerie. Je ne dis pas que ça n'existe pas, la preuve, on a fait un chiour. Mais pas rentrer dans tous ces délires. Fais ce que tu as à faire. On vient de dire des choses de l'agmara. Tu peux les dire, l'agmara, c'est Tu vas au migvé, tu fais tchouva, tu demandes pardon, des fois, ce qui te bloque, ce n'est pas de la sorcellerie. C'est parce que tu as vexé une personne. C'est parce que tu as fait un motichemra à une personne. C'est que tu fait un à une personne. Au lieu de tout le temps de chercher des responsables ailleurs, alors que le médiocre c'est toi. Améliore-toi, deviens meilleur et tu verras que la vie sera meilleure aussi pour toi.